Bonsoir Lucie, bonsoir frères et sœurs bien-aimés. Avec un peu de joie, nous comptons donc venir pour partager à tout le monde, et notamment sur bel sujet ça que on a abordé, et sujet qui fait couler un peu de salive, un peu de l'encre, la conversion. Donc, conversion importante, surtout que créer, je dis, un peu de parlant pile à l'intérieur même du christianisme et dans l'introduction par là, bien où il a dit ça, gagner un peu de schisme, un peu de division, et gagner qui définitivement je dis, quand tu parlais de conversion, je parlais donc de sautine catholique pour aller faire et protestant. Et je dis, donc, le terme de chrétien, c'est protestant surtout qui est indiqué, parce que le protestant c'est chrétien, donc il y a un qui est catholique et un qui est chrétien. Donc, qu'en est-il véritablement? Et conversion, c'est un gros mot. La première fois qu'il est employé dans le Nouveau Testament, que Jésus va l'employer d'ailleurs, c'est un mot grec, métanoïa, qui voulait dire un changement radical. Donc, c'est le nous allons dans Marc chapitre 2, verset 17. Et puis Jésus-Christ commençait à nous dire, je suis venu pour les pécheurs, donc mon cap vivre dans le péché. Maintenant, ça va commencer à faire tout le monde comprendre que le vrai fait avec les pécheurs.
Donc, cette invitation que nous allons faire à Pichurio, il va paraître clair dans Luc, chapitre 15, verset 11 à 32. Le lit dit donc, monde qui peut entrer dans le royaume de Dieu, donc, il gagne une transformation pour lui vivre. Et transformation, c'est aussi une fille faite dans Luc. Il peut aller gagner une joie, parce que même le souper a déjà peut-être participé dans ciel là. Donc, dans Luc, chapitre 15, verset 7, il précise même. L'employé de terme en repentance. Alors, dans la Bible, elle parle de conversion avec repentance et une, c'est synonyme avec l'autre. Donc, on peut dire la repentance, on peut dire la conversion, donc repentance. Maintenant, repentance, la vie nous voulait dire ça. Il vient dire donc que le monde qui a bâti Dieu aux preuves suprêmes de l'amour que nous gagnons pour lui, le li a fait mon Dieu cadeau la ville à l'intérieur d'un mouvement que les donc les. Il veut obtenir la rémission de tout péché. Donc, c'est un vie de péché que mon t'amène. Maintenant, par amour pour mon Dieu, il accepte donc que mon Dieu fait l'invitation pour vivre une grande festin, une grande fête qui va dans le ciel là. Donc, il remet mon Dieu la vie. Donc, la vie par prendre décision pour marcher selon sa bon Dieu mandé. Donc, changement ça, transformation dans ça, donc son repentance. Donc, on a dit, mon a repenti de toute saleté qu'on a fait, qui était dominée et par le régime du péché. Et puis, qu'on y a là, il fait un changement radical, ça, il entre donc dans une nouvelle vie qui va être en soumission à commandement bon Dieu, il fait par amour au bon Dieu. Donc, quitter une vie de péché pour vivre dans une vie de soumission au commandement de Dieu, c'est une invitation que notre Seigneur Jésus nous fait à venir à un festin. Donc, pour les évangiles, notamment, Jésus qui présente conversion, moun était en dehors de grande salle réception, de bon joie pour suivre le commandement de Dieu. Et puis Jésus-Christ dit, tant qu'il vient d'entrer dans le festin, même qui dehors. Et puis qu'on y a la moun, on dit, mais pas venir dehors. Donc, par amour pour mon Dieu, vous voulez prendre part à vos passages pour entrer en dedans. Donc, tout ça me fait, qui était en bas du régime de Dieu, pour qu'on y ait entré en bas du régime de mon Dieu, mon transformation, donc qui fait non moi-même. Et ça fait soit dans Matthieu 13, verset 44, il dit, c'est une transformation radicale, c'est-à-dire un changement total. Dans la politique, il y a une révolution, c'est-à-dire un chambardement total de tout ça, qui dégaine en vie. Maintenant, dans Matthieu, verset 28, il dit, les paroles ne suffisent pas. Il faut aussi les actes de repentance. C'est-à-dire, moi, pas seulement dans ma bouche, je dis que je repentis. Mais dans l'action, moi, vais montrer donc un changement radical. Et ça fait, si nous allons dans un paquet de paraboles et qui montrent changement. Par exemple, une parabole terre qui était dure et côté mettre la psyméa et puis côté bon terre là, dans Matthieu 13, son parabole qui montre changement radical. Il y a une parabole encore de talent et qu'on nous joue dans Matthieu 25. Li montre ou donc la différence qu'il y a entre un monde qui repentit et qui convertit avec un monde qui voulait rester le régime et péché. Maintenant, ce que vous pouvez comprendre, et ce n'est pas mon compte qui prend la décision d'abord, c'est mon Dieu qui fait invitation. Donc, invitation, ça veut dire que vous ne il pas seulement repentir, il vient tourner donc au disciple, bon Dieu, et tourner au monde qui prend décision qui l'a été pour l'image et sur le bon Dieu. Donc, puisque lui, on disciple, ça vient permettre que nous participer dans la forme de connaissance de tout ça qui a passé à propos du royaume bon Dieu. Et maintenant, ça qui du yo cap et qui monde qui était du yo tout. Donc, vous-même, vous venez tourner un mystère pour lui parce que la vie par monde, ça a tellement rentré en nous dans mon Dieu. Donc, ça a passé dehors, c'est-à-dire en dehors de la salle du festin, mon n'a pas gagné en rien. Comme si il l'a fait, Dieu même encore. Et l'apôtre Saint-Paul dira un petit peu plus tard si quelqu'un est dans le Christ, cette personne devient une nouvelle créature, toutes les choses anciennes vont donc rester en arrière. Ceci démontre que dès que il y a conversion, il y a donc
ou repentance, gagner donc une vie d'avant qui était en bas au régime du péché, que bon invitation pour Dieu. Donc il a priorité pour le marché de Dieu, et dans la priorité pour le marché de Dieu, toute la vie change, non seulement les paroles, mais aussi les actes. Et moi, je voulais préciser un peu pour les actes là, parce que souvent, mon ami m'a dit, comme on y a un tel chant plutôt, comme qu'on y a un mot, il m'a pris un petit peu de mot plutôt, comme c'est qu'on y a fait son récité, donc moi, converti, et nous sommes de pratiques humaines, pratiques familiales, pratiques sociales, qui nous ont toujours, qui montrent au cœur, et pas de changement. En fait. Donc pour changement, en fait, on fait en parole, on fait en acte, donc moi, sauter en bas au régime du péché, moi, soumettre totalement en bas, commandement de mon Dieu, par amour, pour mon Dieu, ça, et à ce partir, moi, je deviens un disciple, donc moi-même aussi, je propage, nous tournons mon nom. Donc en gros, la conversion, c'est ça, et si vous regardez bien, il n'y a pas un rapport forcément avec l'Église ou bien une dénomination. Parce que si on nous fait dans l'Église ou fait dans une dénomination, on doit estimer que comme moi fait dans telle Église et comme telle Église a prêché parole de Dieu, moi tout en dedans. Mais si nous comprenons la conversion en bien, à n'importe quel moment dans la vie, on est capable de vivre en bas régime du péché. On est capable de chuter, c'est-à-dire chuter, on est capable de laisser le doigt chemin pour tomber, et puis ou entrer en mort, ou une décision pour entrer en mort. Donc la conversion, on va y faire une seule fois, il y a fait plusieurs fois dans la vie, tout dépend de dynamique, la vie, on apprend. Ceci étant dit, il n'est pas forcément lié seulement à telle église ou à telle dénomination. On est capable soit dans l'église, dans l'église, et puis il y a un phénomène de conversion en fait pour nous. Donc, pas, il y a une importante personne qui a lié la conversion avec l'église, mais il est lié plutôt à la vie maintenant par rapport à bon Dieu directement. Parler de conversion, soit que des satisfactions qu'elle va avoir à travers l'église, pas nécessairement des dénomination, non? L'église, déjà, qu'on va avec la croix de l'église, hein? Je vais même écouter ça, écouter ça, mais quand vous faites ce qui est très, 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 très important, la conversion est très personnelle. La paix, et puis le voir, c'est l'individu qui change, parce que moi c'est la personne qui continue à faire le bagaillot. Vous leur pensez, est-ce que religion, c'est très important pour faire nous, vous avez des mots grands. Est-ce que changer religion change vous en tant que personne, si vous-même en tant que personne, vous ne changez pas tout. Vous touchez, vous touchez cœur qui se fait. Parce que. Nous avons lié la conversion avec Dieu ou bien un droit. Côté yo a fréquenté ya, yo pas lié conversion avec relation par yo avec bon Dieu, et ou bien dit, li personnel, c'est-à-dire Dieu, le Dieu de Serbe, le Dieu d'Abraham et de Jacob est un Dieu de la personne, c'est un Dieu commun, c'est un Dieu personnel. Relation qu'on développe avec mon Dieu, son relation personnelle. Maintenant, si dans la conversion, ou bien dans le changement, dans la repentance, moins pas. Considérer comme un changement qui fait dans la relation par ma vie, bon Dieu directement, que soit même pas là, repentance tout bon vie. Donc, c'est une question que Dieu pose par rapport à la vie de péché que je fais. C'est une question que Dieu pose par rapport à une façon de quitter la vie, pour moi, retourner à Dieu. Donc, repentance là, ou encore conversion, qui concerne directement le péché. Les conservants que le conserver aux religions. Parce que comprennent bien, non, structure chaque religion, les gagner en structure institutionnelle, qui lui-même, à travers le temps, à travers l'histoire, capable de gagner des déviations, capable de gagner des problèmes dans la structure religion lui-même. Mais maintenant, aussi longtemps que la religion est capable d'exister, on est capable de gagner des bagailles pour critiquer la structure religion, la structure de l'église. Mais conversion, même l'église, même l'institut de l'église, qui va montrer nos phénomènes de conversion. Le, on va voir des changements qui ont fait dans l'ensemble de l'église, l'ensemble de structures. Donc, si moi comprendre la conversion, c'est la participation dans tel type d'église, donc moi parle de l'église, c'est le ciel. Et telle l'église, c'est l'enfer. Et là, on va passer à côté de la plaque. Car.
la structure capable d'aider à jouer une bonne Dieu. Structure ecclésiale et apôtre yo et mon bon Dieu Jésus Christ quitté yo yo ban moi yo prêché et mettez me sur route là pour m'aller mais c'est aussi m'a avancé donc conversion vie personnelle yo capable prêcher mais pas jamais accepter vivre selon ça me tendre qui prêcher ou encore prêcher de gagner des divinations là. Mais maintenant, c'est moi qui ai la décision. Ou moi, dis-moi même, je vais vous dire, moi, avancer, je ne vais pas avancer. Je vais continuer à vivre dans le régime, ou bien, je vais quitter Kounia, c'est soumission à volonté de Dieu qui fait rester là, qui fait Kounia là, ou bien, vous n'avez aucune chaîne, de transformation sans la mort. Exemple, quoi qui s'appelle là, c'est la dame qui s'appelle Marie et de Magdala. Et cette femme qui s'appelle Marie, qui est originaire de Magdala, lui-même était en prostituée. Et puis, il y a un qui touchait pour Jésus-Christ dit, il y a la chance de quitter le vide de la population. Jésus-Christ m'a dit à la côte, vous voyez le premier coup de roche là. Parole.